Alors, la phase, pour parler d'astrologie et des astrologues, la phase dont nous sortons est une phase solsticiale. La phase solsticiale, c'est la phase de l'incompétence. C'est la phase où on met de l'ascenseur social, où on met des gens qui ne sont pas vraiment compétents, à la place de ceux qui sont vraiment compétents, pour leur donner une chance, pour leur donner la possibilité d'avancer. C'est très gentil, mais ça a un coût. Et nous sortons actuellement d'une période solsticiale, et donc il est normal qu'il y ait encore la société n'a pas su se réformer et n'a pas su évacuer les incompétences. Donc il est normal qu'il y ait des incompétences. De même qu'en 1940, il y a eu des incompétences qui étaient liées au fait que la société française n'avait pas su corriger ses lacunes, sa routine, son haut commandement, etc., etc. Donc c'est toujours très révélateur. Si la France, d'autant plus qu'il y avait déjà eu l'invasion de la Belgique, avec l'exode à partir de la Belgique, et la France n'a pas su prendre les mesures nécessaires, ou tout simplement n'avait pas les moyens de le faire parce que la phase solsticiale, qui était bien antérieure d'ailleurs, avait créé des manquements et des insuffisances et des incompétences. De la même façon que la guerre des six jours a révélé l'incompétence de l'armée égyptienne, du commandement égyptien. Si il n'y avait pas eu cette incompétence, il n'y aurait pas eu cette victoire éclair de l'armée israélienne, tout simplement. Donc, quand on gagne quelque part, c'est souvent parce que l'autre n'a pas su prendre les mesures nécessaires, n'a pas su s'armer dans tous les sens du terme comme il fallait. Et donc, les victoires par surprise de ce genre-là sont à mettre au débit de ceux qui se sont laissés prendre.